Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler du fait qu'un chrétien doit mourir à soi-même. Donc c'est vraiment très important parce qu'un chrétien, c'est un devoir fondamental pour tout un chacun, pour tout chrétien qui se dit être chrétien, mourir à soi-même. Parce qu'une personne qui ne sait pas s'écraser quand on est en train d'humilier, qui ne sait pas être humble, qui part au quart de tour à chaque fois qu'il y a un problème, c'est une personne qui n'est pas digne d'être chrétien. Parce qu'un chrétien doit savoir avoir de l'humilité. Regardez par exemple quand Jésus-Christ se faisait taper devant tout le monde avec sa croix, humilier, se faire cracher dessus, il mourait à lui-même. Si tu ne sais pas mourir à toi-même, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore un chrétien. Parce qu'un chrétien qui ne sait pas mourir à soi-même ne peut pas s'appeler chrétien, parce que être chrétien, c'est d'avoir les caractéristiques de Jésus-Christ. On l'a humilié, lui, le Fils de Dieu, on l'a craché dessus, on l'a mis nu devant tout le monde, mais il a continué encore et encore. Il est resté humble, il a accepté de mourir, il a accepté de la honte, il a accepté l'humiliation, il a accepté tout ce que quelqu'un ne peut pas imaginer ni accepter. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens que ce n'est pas possible, tu ne peux pas mal lui parler. Ah non, lui c'est le grand. Elle, c'est la grande. On ne peut pas lui parler comme ça. Il ne faut pas partir au quart de tour avec elle. Parce que c'est la grande ainsi, c'est le grand ainsi. Non. Quand on est un vrai chrétien, on ne se permet pas de faire ce genre de choses. On meurt à nous-mêmes. Parce que si tu n'es pas capable à mourir à toi-même, tu es orgueilleux, tu es un but de toi-même, tu es trop fier, tu prends les autres de haut. Tout ça, ce n'est pas du tout les caractéristiques d'un chrétien. Au contraire, c'est les caractéristiques d'un sataniste, d'un enfant qui n'est pas un enfant de Dieu. Alors, si tu te dis chrétien et que tu continues à être orgueilleux et que tu ne supportes pas quand quelqu'un te parle mal, de rester humble, de t'écraser, de mourir à toi-même, alors tu n'es pas prêt. Alors pose-toi des questions. Et fais vraiment des efforts pour changer et vraiment dominer ce côté très orgueilleux, ce côté qui refuse absolument de mourir à soi-même. Que Dieu te bénisse infiniment. C'était la prophétesse Harmonie. Excellente journée à vous. Ciao.